Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda rend hommage aux victimes et survivants du génocide de 1994. Le pays des mille collines a procédé le 7 avril aux 28e commémorations du génocide des Tutsis. Un devoir de mémoire qui durera 100 jours, comme chaque année. L'Afrique face au défi de la bancarisation, près de 260 millions de personnes n'ont pas accès aux services financiers en Afrique subsaharienne. Un défi de taille que le géant mondial des paiements numériques Visa compte relever en s'implantant sur le continent africain. Et au mois de décembre 2022, une œuvre d'art africaine sera mise en orbite dans l'espace. Pour parler de cet ambitieux projet, nous recevons dans cette édition l'artiste Géraldine Taubé et le président de l'ONG française African Artists for Development, Mathias Le Ridon. Mais tout d'abord, les électeurs gambiens sont appelés aux urnes ce samedi 9 avril pour élire leurs députés, 4 mois après la réélection du président Adama Barrow pour un second mandat de 5 ans. Ces scrutins législatifs visent à renouveler les 58 sièges de l'Assemblée nationale pour 5 ans. 53 députés doivent être élus au scrutin majoritaire à un tour et les 5 autres, dont le président du Parlement à une seule chambre, doivent être nommés par le chef de l'État. L'une des tâches de la prochaine législature devrait être de voter une nouvelle constitution. Les résultats de ces élections sont attendus pour dimanche. Le Rwanda commémore pour la 28e année le génocide des Tutsis qui a fait près d'un million de morts en 1994 depuis le 7 avril. Et comme chaque année, le pays des mille collines se plie à ce devoir de mémoire au nom des victimes et des survivants de ce drame qui reste l'une des plus grandes tueries du XXe siècle. Plus de détails avec Joël Ballot. 7 avril 1994, 7 avril 2022. 28 ans que s'est produit le génocide au Rwanda qui a coûté la vie à près d'un million de personnes. En mémoire aux disparus, le peuple rwandais s'est recueilli sur le mémorial du génocide de Kigali où plus de 250 000 victimes sont inhumées. En allumant la flamme de l'horreur que représente le génocide au Rwanda, le président Paul Kagame invite au souvenir des leçons apprises de l'histoire rwandaise et à leur mise en œuvre pour construire un Rwanda prospère. Le plus important est de retenir ces leçons de vie et de ne jamais les oublier. Aujourd'hui, 28 ans après, nous devons nous remémorer chaque heure qui passe parce que ça nous rendra meilleurs et plus forts. Et pour ce que nous souhaitons être, ce sera à nous de décider et à personne d'autre de nous dire ni comment ni ce que nous devrions devenir. What and how to be. Afin de tirer les leçons du génocide au Rwanda, la communauté internationale appelle à un engagement collectif pour préserver l'unité, la paix et la dignité humaine. 28 ans après, le Rwanda est selon l'ONU la preuve que d'un passé sombre peut émerger un futur radieux. Le génocide n'était pas un accident. Aucune personne au fait de l'actualité ne pouvait ignorer l'horreur des violences au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est la preuve que l'esprit humain peut guérir les blessures les plus profondes et qu'une société plus résiliente peut émerger des tragédies les plus sombres. Par devoir de mémoire pour le décès de près d'un million de victimes du génocide, déclenché le 7 avril jusqu'au 17 juillet 1994, par solidarité avec les survivants, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies rappellent au monde ainsi qu'aux nouvelles générations le drame vécu par le Rwanda afin que cette tragédie ne tombe jamais dans le trou de l'histoire. Également dans l'actualité, le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu à Rabat ce jeudi et ce vendredi la visite officielle du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Le but de cette rencontre, marquer la fin d'une crise diplomatique qui dure depuis près d'un an entre les deux pays. Rappelons qu'une nouvelle page s'est tournée fin mars entre le Maroc et l'Espagne après que l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara occidental au détriment de l'Algérie et du Front Polisario. Cette rencontre entre le Maroc et l'Espagne s'est soldée par une déclaration commune qui illustre la construction d'une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales.
À l'heure de la fintech, un grand nombre d'Africains restent encore déconnectés. Plus de 260 millions de personnes n'ont pas accès aux services financiers en Afrique subsaharienne. Un frein pour l'inclusion financière du continent, mais pas pour le géant mondial des paiements numériques Visa, qui a inauguré le 6 avril son premier centre d'innovation sur le continent africain au Kenya. Reportage de notre envoyé spécial fraterne d'Akei Senga. L'Afrique reste le continent dont la plus grande population n'a pas accès aux services financiers au monde. En Afrique subsaharienne, par exemple, 260 millions de personnes n'ont pas ou ont un accès très limité à ces services. Un défi et une opportunité pour Visa et ses partenaires sur le continent de créer des solutions financièrement inclusives. Je reste persuadé que la croissance économique du continent est fortement liée à la capacité que nous allons tous avoir au niveau de l'écosystème de paiement de faciliter l'inclusion financière, de rapprocher ou de ramener les clients qui aujourd'hui n'ont pas, j'allais dire les clients, non, les consommateurs qui n'ont pas accès au système financier aujourd'hui et des petits marchands, des micro-marchands qui aujourd'hui sont hors du système financier, qu'il faut accompagner et qu'il faut servir. La fintech est le moyen le plus sûr et le plus rapide à pouvoir faciliter cette inclusion financière, selon les experts. Pour arriver à créer des solutions novatrices permettant d'accomplir cette mission, il faut encourager aussi les jeunes innovateurs sur le continent. Et c'est pour cette raison que Visa a ouvert son tout premier centre d'innovation en Afrique, à Nairobi, la capitale kényane. Nous avons aujourd'hui des solutions qui permettent de faciliter l'accès des petits marchands, comme je le disais tout à l'heure, à l'écosystème du commerce électronique. Et nous mettons à leur disposition non pas seulement des cartes ou des solutions de paiement, mais toute une infrastructure qui leur permet de gérer leur activité au quotidien, d'avoir la transparence au niveau des flux et de pouvoir prendre des décisions en fonction de comment leur activité évolue. L'une des parties importantes du centre d'innovation Visa de Nairobi est celle qui montre l'expérience du commerce du futur en Afrique. Ici, même si le magasin est physique, on peut aussi faire ses achats en utilisant la réalité virtuelle et essayer de commander des articles un peu partout dans le monde. Le secteur spatial africain s'engagera dans une autre dimension en décembre 2022. La fusée Ariane 5 sera lancée à Kourou, en Guyane française. Le rôle de ce nouveau satellite en orbite, surveiller les changements climatiques et météorologiques du continent africain. Sa particularité, être orné d'une œuvre d'art sur sa coiffe, une œuvre réalisée par un collectif de 3 artistes africains sélectionnés à l'issue d'un projet initié par African Artists for Development en partenariat avec EUMETSAT, l'organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'une des artistes lauréates, l'artiste congolaise Géraldine Tobé. Bienvenue. Merci. Ainsi que le président de l'ONG African Artists for Development, Mathias Leridon. Bienvenue. Bonsoir. Alors tout d'abord, c'est la première fois dans l'histoire africaine, spatiale et artistique qu'une œuvre d'art contemporaine africaine sera reproduite sur la coiffe Ariane 5. Quel est le but de ce projet? Je m'adresse à vous, monsieur Leridon. Le continent africain est le continent qui souffre le plus du réchauffement climatique et c'est en même temps le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre. Au moment où ce nouveau satellite d'observation météorologique est lancé, il nous a semblé important d'attirer l'attention sur justement cette importance à la fois du changement climatique sur le continent africain et sur la nécessité d'observer le continent africain sur le plan météorologique pour mieux résister justement aux aléas du changement climatique. Symboliquement, le fait d'envoyer une œuvre d'art dans l'espace sur la coiffe d'Ariane 5, c'est un moyen d'attirer l'attention sur justement cet impact du changement climatique et de ce qu'il faut faire pour essayer de le limiter pour les populations et pour les pays sur le continent. Le jury n'a pas su désigner un seul vainqueur et a donc confié cette tâche à un collectif en novembre 2021, dont vous faites partie, Géraldine Tobé, aux côtés d'un autre artiste congolais, Michel Ekeba, et du Camerounais, Jean-David Note.
D'abord, quel a été votre premier sentiment quand vous avez appris que vous alliez participer à ce projet? Alors, je dirais que j'étais très contente quand j'ai appris que j'allais participer au projet ensemble avec mes deux collègues. Parce que pour moi, j'ai trouvé ça, c'était une idée géniale de faire un travail de collaboration. Parce que quand on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose qui a du sens. Et ça nous a permis de réaliser cette œuvre qui sera envoyée dans l'espace. Et ce travail de collaboration, ça nous a aussi permis de voir d'autres aspects. Et pourquoi pas aussi réfléchir de notre côté, tant que des artistes qui travaillent avec leur société, comment, étant que les ambassadeurs sur le plan artistique qui participent dans ces projets, de faire parler aussi le projet du côté social, là où nous vivons. Et pour nous, c'était quand même un moment très fort, très intéressant, parce qu'au début, ce n'était pas facile de se mettre ensemble pour faire une œuvre avec Simon. Et cette association de l'art et de l'espace, est-ce que ça vous a paru évident? Je dirais oui, c'est évident, parce que comme Mathias vient le dire, généralement quand il y a des activités pareilles comme un projet de satellite et quand c'est associé avec l'art, généralement c'est toujours quelque chose de bon pour faire parler aussi le projet, mais du côté aussi artistique. Alors on va en venir à l'œuvre même en question, qui s'appelle Memory of Today, Memory of the Future. Quelle est la dimension de cette œuvre et combien d'heures de travail étaient nécessaires pour cette réalisation? Waouh. Alors la dimension, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 4 mètres quelque chose sur 1,10 m. Alors on a mis du temps parce que arriver à créer une œuvre d'art comme ça, ça demande du temps. On était stressés, ça c'était vrai. Donc on était stressés parce qu'on réfléchissait de façon comment on va procéder pour arriver à une création. Et on a d'abord commencé par lire chaque projet de 3 artistes. On a essayé de regrouper les éléments qui revenaient dans chacun de projets. Et à partir de là, on a mis un plan de travail qui était de faire intervenir d'abord Jean-David Cotte, lui qui fait tout un travail avec la cartographie. Ensuite, il y a moi que je devrais peindre de personnages, mais plus j'ai utilisé l'image d'une femme. Après, faire intervenir le travail de Michel Ekeba avec les astronautes. Donc voilà, c'est les différents... C'est un long processus. On peut voir que c'est un projet à fort potentiel médiatique. Alors, quelles sont les retombées que vous espérez? Est-ce que vous pensez que ce projet, qui est inédit, est susceptible de faire bouger les lignes en Afrique dans le secteur spatial, dans celui de l'art ou encore dans celui de l'environnement? Je ne sais pas s'il va faire bouger les lignes, mais en tout cas, il va surprendre. Et le continent africain est un continent qui surprend. Alors, il a surpris sur la téléphonie. On est passé de l'absence de téléphone, de télécommunication, à un continent qui est digital native. Je pense que dans l'aventure spatiale africaine, elle n'a pas commencé avec ce projet. Il y a eu des projets dans le passé pour l'espace. Mais je pense que c'est peut-être une manière de regarder différemment l'espace et la relation avec l'espace, que de faire en sorte que parmi les premiers gestes qui seront faits par ce continent, eh bien, ça soit une œuvre d'art qui part dans l'espace. Les grandes nations spatiales n'ont pas commencé leur histoire spatiale par l'envoi d'une œuvre d'art. C'est donc peut-être un signe que le continent africain va peut-être aborder la conquête de l'espace avec une identité, une personnalité différente des autres pays qui sont aujourd'hui dans la course à l'espace. Et est-ce que d'autres projets du genre sont en cours? Alors, le jour où le projet partira, puisque tant que la fusée n'est pas partie, on est toujours très prudent, puisqu'il y a des fusées qui partent, des fusées qui ne partent pas. Donc, tant qu'elle n'est pas partie, on est très prudent. Mais on annoncera, au moment du lancement de la fusée, un nouveau projet impliquant là aussi la création artistique africaine et là aussi destiné à l'espace. L'espace, une nouvelle frontière pour la création africaine, c'était le thème de la conférence de presse et de la table ronde qui se sont tenues ce vendredi 8 avril à Paris, auxquelles vous avez participé. Alors je vous retourne la question, est-ce que l'espace est une nouvelle frontière pour la création africaine? Oui, parce que à travers l'art, ça permet aussi de comprendre ou bien d'aborder aussi la question du réchauffement climatique, mais autrement sur le plan artistique. Parce que moi, par exemple,
Il y a quelqu'un qui m'avait appris que l'homme et la nature, nous sommes tous liés. Donc, ce que l'homme fait à la terre, il est fait aussi sur lui-même. Alors, du coup, sur la question du réchauffement, sur toutes les couches, par exemple, quand on était au mois de novembre, pendant le jury, moi, j'avais plus parlé de l'aspect de faire tout un travail de sensibilisation qui va aider aussi la population africaine de comprendre c'est quoi la question du réchauffement climatique, pour que ça permet à un très grand nombre des Africains de comprendre le problématique et puis d'avoir aussi l'idée sur ces projets. Et d'ailleurs, est-ce que la population africaine est au fait de ce projet, justement, d'envoi? Est-ce qu'elle a été sensibilisée par rapport à ce projet d'envoi d'une œuvre d'art dans l'espace? Alors là, je ne sais pas trop, mais je pense que c'était un souhait que j'avais soumis lors du jury, où j'ai soumis aux initiateurs de projet, parce que pour moi, c'est quand même important de faire ce travail de sensibilisation, parce que si les Africains nous-mêmes, on n'a pas conscience de cette question du réchauffement climatique, c'est très compliqué. Moi, quand j'ai eu le projet, je me suis quand même réapproprié du projet où j'ai fait tout un travail de sensibilisation à l'école avec des enfants pour leur expliquer un peu la situation. Après, je l'ai fait aussi dans des différents milieux. C'est là où j'avais vite compris que c'était quand même important pour le projet de penser à faire un travail de sensibilisation pour que la population africaine comprenne l'importance de ces projets et de la responsabilité qui nous concerne tous. Tout à fait. Merci Madame Géraldine Taubé ainsi que Monsieur Mathias Leridon d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes respectivement artiste lauréate de ce projet et président de l'ONG African Artists for Development. À la page sport, les nations africaines ont un aperçu de ce qui les attend. La Confédération africaine de football vient de révéler les quatre chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, compétition continentale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet prochain. Le point avec Séverin Gildas Ngouke. La liste des 48 nations africaines retenues pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est connue. Dans cette répartition qui est fonction du classement FIFA, on retrouve le Sénégal, champion en titre, ou encore le Rwanda, le Malawi, des outsiders qui ont fait sensation lors de la dernière CAN au Cameroun. Quand je remarque aussi des nations comme le Bénin, qui se prépare activement pour en tout cas jouer une Coupe d'Afrique des Nations, et c'est vrai, le Bénin ne s'est pas qualifié lors de la dernière CAN, mais on peut attendre en tout cas pendant ces éliminatoires-là à ce genre de rencontres. Je prends l'exemple sur l'Éthiopie, l'Éthiopie qui fait partie du chapeau 4. Cette formation éthiopienne a quand même impressionné lors de la CAN. C'est vrai, elle n'a pas remporté de victoire, mais elle a tout de même prouvé à la face du monde qu'elle a du talent. Donc voilà un peu, et ces équipes-là sont prêtes à tout pour en tout cas disputer la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Regroupés sous quatre chapeaux de 12 sélections, les éléphants qui évolueront à domicile aux côtés des finalistes de l'édition 2022 avec les têtes d'affiche habituelles de la compétition telles le Cameroun, le Maroc ou encore le Burkina Faso. Si les chapeaux sont d'ores et déjà connus, la Fédération africaine de football dévoilera la date du tirage au sort ultérieurement. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises parce que le Ghana, qui n'a pas participé lors de la dernière CAN, mais le Ghana qui est qualifié pour la Coupe du Monde, le Ghana pourrait en tout cas se retrouver en face des équipes qui ont déjà joué la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière. Rappelons que les 48 sélections seront reparties en 12 poules de 4 équipes qui s'affronteront durant 6 journées à partir du 30 mai 2022, les deux premiers assurant leur qualification pour la phase finale au pays des éléphants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.